Bonjour les Gémeaux, nous sommes ici pour votre tirage du mois de décembre. Alors, avec le Yiking, nous sommes tombés sur l'hexagramme 42. L'augmentation qui tend vers l'hexagramme 64 avant l'accomplissement. C'est le dernier hexagramme du Yiking. Alors, vous avez ni plus ni moins 4 mutants, donc le tirage risque d'être un petit peu plus long que les autres, mais nous verrons. Vous avez déjà un très très bon Yiking avant l'accomplissement et la fin et mon commencement. Vous avez fini un cycle. Bravo. Vous êtes sur le point d'entrer dans un nouveau cycle. Nous commençons avec le pendu. Le 3 de Pentacle. Oh, c'est bien, Popo, t'es venu me réchauffer? La Tour. Le Cavalier d'épée. Le 5 de Pentacle. Et la reine de baguette, vous venez de l'étoile. Et vous tendez, vous allez vers. Et ah, il y en a deux, l'as de coupe à l'envers. Et vous tendez vers la grande prêtresse à l'envers. C'est bizarre. Bizarre, mais un petit peu normal. Bah déjà, venir de l'as de coupe à l'envers plus l'étoile. Je pense que vous avez eu, il me semble, vous avez eu des occasions très récemment de voir que vous plaisiez. C'est pas forcément sentimental, mais vous êtes resté, non pas sur votre faim, mais vous êtes resté un petit peu dubitatif. Votre corps, c'est votre cœur. Votre cœur s'est ouvert. Votre cœur s'est ouvert. On le refait. Votre cœur s'est ouvert. Votre cœur s'est ouvert. Mais c'est. Ouais. Je pense que vous avez eu des petites accroches, que ce soit amicales, sentimentales. Et que ça vous a permis de reprendre espoir. De vous dire, mais en fait, oui, je mérite mieux, j'aurai mieux, c'est sûr et certain. Il y a eu des trucs qui sont passés qui font que enfin vous allez sortir là. Y a quelque chose dans le passé là récent qui vous a fait comprendre que c'était que quelque chose était possible. Quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Ah, non, je ne prends pas de coke. Vous inquiétez pas. On va y aller coup par coup parce qu'on a quand même 4 mutants. Donc 4 conseils, c'est bien. Et c'est pas mal. 9 au commencement. Il est avantageux d'accomplir de grandes actions. C'est marrant comme ça résonne toujours très bien les cartes Liking. Hein. Suprême fortune, pas de blâme. Lorsqu'on se sent grandement encouragé d'en haut, on doit employer l'accroissement de force ainsi obtenu à accomplir une grande tâche en vue de laquelle on aurait peut-être trouvé, s'il n'en avait pas été ainsi, ni la force ni le goût de la responsabilité. Là, je vous l'ai dit, hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Pouf. Parce qu'on est libre de recherche personnelle, on réalisera une grande fortune. Et en obtenant cette grande fortune, on demeurera exempt de reproches. Parce qu'on est libre de recherche personnelle. C'est-à-dire que ça fonctionnera que si vous n'en avez pas qu'à vos petits intérêts, évidemment. Donc ce que je me demande quand même, donc je pense que vous êtes en pendu par. Ok, on va y aller comme ça. Donc voilà, vous êtes en pendu. C'est-à-dire que vous acceptez d'afficher au monde votre moi, votre vulnérabilité.
qui comprend évidemment votre part de vulnérabilité. Pourquoi? Parce que vous avez repris confiance. Quelque chose, je vous l'ai dit, fait que bah, vous vous sentez prêt à aller plus loin, à aller plus haut. Et comme il ne s'agit pas que de vous, que de vos intérêts personnels, vous êtes en pendu. Vous attendez de voir ce qu'on vous propose. On propose, vous disposez, quoi. Il y a aussi une idée, les inférieurs ne l'utilisent pas pour leur commodité personnelle. Vous êtes en train de sortir de ce cycle qu'on voit depuis des mois et des mois où vous avez toujours l'impression d'être le dindon de la farce. Là, vous avez enfin compris que vous pouviez donner à des gens qui ne pensaient pas qu'à leur gueule. Bravo. 6, 2 coupes. Intérieurement, vous êtes connecté. Vous avez des connexions qui vous... C'est carrément l'enfant intérieur. Je dis toujours que le Gémeau, que j'appelle le Gémal, il naît adulte et il meurt enfant. C'est triste. Bah oui, on est toujours plus triste quand un enfant il meurt, hein. Mais moi, je pense que plus ça va et plus cet enfant intérieur, vous le soignez et vous le comblez. Hein. Et donc, quelque chose vous pousse à revendiquer mieux avec ce cavalier d'épée. Qu'est-ce qui nous mène de ce cavalier d'épée au 3 de pentacle? Le 4 de pentacle. Voilà, pour le coup, c'est je sais à quoi je tiens, ce à quoi je tiens fermement, je me le garde, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dégradez en 3 de pentacle. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous êtes quand même dans une dynamique de je revendique mieux, intérieurement, je garde bien précieusement ce qui m'est cher. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas partager, mais parce que vous ne voulez pas vous le faire piquer. Donc ça, c'est intérieurement le 4 de Pentacle. Et vous tendez vers le 3 de Pentacle. Quelqu'un l'augmente certainement. Je vous lis le deuxième Ikkyū. 10 couples de tortues ne peuvent pas s'opposer à lui. Une persévérance durable apporte la fortune. Le roi le présente devant Dieu, fortune. Le 3 de Pentacle, c'est quand même la carte des partenariats excellents. La véritable augmentation survient quand l'homme réalise en lui-même les conditions qu'elle exige. Réceptivité et amour du bien. Ce que l'on poursuit vient alors spontanément avec la nécessité des lois naturelles. Là où l'augmentation est ainsi en accord avec les lois suprêmes de l'univers, aucune constellation de contretemps ne peut l'entraver. Une seule chose importe, c'est qu'un bonheur inattendu ne nous tourne pas la tête, mais que nous le fassions nôtre par la force intérieure et la fermeté. Ainsi, nous prendrons de l'importance devant Dieu et devant les hommes, et nous pourrons accomplir une œuvre pour le bien du monde. Et c'est marrant parce que c'est comme si que c'était en gardant ce qui vous... Ça peut être aussi garder le silence. Hein. En gardant ce qui vous est le plus précieux dans votre... Ce qui est le plus précieux à votre cœur, que ça s'aligne à l'extérieur. Et effectivement, quelque chose vient à vous. Avec ce 3 de Pentacle, quelque chose est possible dans la matière. Une alliance bonne, une alliance prometteuse. Par contre, avant d'aller plus loin, on va se concentrer sur cette papesse à l'envers, la grande prêtresse à l'envers. Donc la grande prêtresse à l'envers, pourquoi on va vers la grande prêtresse à l'envers? Ben parce qu'on ne veut plus être l'oracle, on ne veut plus être celle la personne, hein, celle, parce que vous êtes peut-être un homme, on veut plus être celle qui... Qui dispense les bons mots, qui montre le chemin. Je pense que vous avez souffert d'une forme de stérilité et que quelque part, avant que le nouveau cycle arrive,
Vous apprenez l'art de vous taire, l'art du secret. Donc c'est pour ça que vous allez vers la grande prêtresse. La grande prêtresse à l'envers, elle n'a pas envie de fertiliser, elle a plus, parce que ses paroles sont fertilisantes. On lui dit, eh, vas-y, dis-moi un truc là, vas-y, je me sens mal. Et tu vas dire, tu vas sortir deux mots, la personne, elle va dire, ça va, ouais, c'est ça, ouais, ok. Non, c'est fini. Vous n'êtes plus à la... vous n'avez plus ce rôle. Alors, vous allez me dire, mais non, moi, je lis pas les oracles. Mais non, c'est pas forcément le fait de lire les oracles. C'est le fait aussi d'être la personne d'expérience que l'on consulte pour un oui ou pour un non et qui est toujours disponible. Là, je pense que vous mettez votre disponibilité un petit peu au placard. Et vous tendez vers ça. J'ai envie de dire bravo, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je vous engueule en disant « Mais vous en avez pas marre de vous donner à des gens qui font de la merde ?» Non mais vous, c'est redondant, ça vient tout le temps. Hein. En même temps, si le père de mon fils regarde cette vidéo, il est gémeaux. Il va dire « Bah t'as vu, tu fais partie des gens qui font de la merde. » Moi, je fais partie des gens qui te le disent, ça. Hein. Private message. Mais bon, de toute façon, je vais plus te voir tant que j'ai pas ma bagnole. Capito. Alors, 4. L'empereur à l'envers. Ok, donc là, connexion faite. On est d'accord, vers le 15, peut-être un peu avant, parce qu'on est un peu avant, vers la moitié, quoi. Connexion faite avec... Connexion faite. Connexion. Avec quelqu'un, quelqu'une, avec qui tout semble possible, avec qui il semble possible d'établir, de faire du bon, quoi. Pourtant, intérieurement, l'empereur à l'envers, pourtant, vous ne savez pas exactement quelle est la prochaine étape. Pourtant. Vous ne savez pas quelle est la prochaine étape. Vous faites peut-être même preuve d'un peu d'autoritarisme, à mon avis, sur des gens de votre passé. Oui, je t'avais demandé ça il y a 10 mois. Pourquoi? Il y a 6 mois. Pourquoi j'ai toujours pas récupéré le truc que je t'ai prêté? Ouais. Je m'inspire directement du père de mon fils. Gna 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 gna. On va aller voir. Si tu marches au milieu et que tu fasses un rapport au prince, il suivra. Il est avantageux d'être employé lors du transfert de la capitale. Il est important qu'il y ait des hommes servant d'intermédiaire entre dirigeants et dirigés. Ce doivent être des personnalités dépourvues d'égoïsme, notamment en temps d'augmentation où le profit émane du guide pour aller au peuple. Aucune partie de la bénédiction ne doit être retenue de façon égoïste. Mais elle doit tourner véritablement tout entière au bien de ceux à qui elle est destinée. Une telle personnalité de médiateur qui exerce également une bonne influence sur le guide est particulièrement importante aux époques où il s'agit d'entreprises considérables, décisives pour l'avenir, qui requièrent un sentiment intérieur de tous les participants. Là, il s'agit d'augmenter les inférieurs. Mais je pense que avec le 5 de pentacle, ça va être un petit peu compliqué. C'est comme si vous... Ah, comment dire? Je pense qu'intérieurement... Alors ça, c'est intérieurement. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on ne vous verra pas comme un empereur. Hein. On vous verra comme quelqu'un qui a des grandes envies, qui est en train de mettre des choses en place, point barre. Mais intérieurement, les choses ne vont pas assez vite. Les gens... ne sont pas les bonnes personnes. Il y a certaines personnes, les inférieures, je ne parle pas de cette bonne connexion, parce que bon, ça finit bien un peu. C'est pour ça que je vous disais, avec ce 5 de pentacle, c'est comme si le changement, donc là on parle de changement de capital, donc le changement est vraiment dans l'air pour vous. Je ne sais pas si vous déménagez, mais c'est fort probable. En tout cas, ce que vous faites ressemble un petit peu à un déménagement. Vous réaménagez les choses pour du plus grand, quoi. Et là, 5 de pentacle, c'est les gens autour de vous qui répondent pas à temps,
qui promettent des choses qui ne donnent pas et qui vous mettent vous-même dans l'embarras par rapport à d'autres gens. C'est un petit peu votre carte, hein. C'est un petit peu ce que vous vivez depuis des mois et des mois. Et du coup, j'ai l'impression qu'intérieurement, vous êtes. Certains d'entre vous vont péter les plombs, littéralement, hein. Mais pourtant, on vous dit que bah, c'est quelque chose qu'il y a à faire. Il va falloir demander des comptes, en tout cas ordonner. Il y a un risque intérieurement, je pense que quelque chose. L'empereur, il peut carrément péter les plombs parce que les gens ne font pas les choses en temps et en heure. Je pense que vous n'allez pas être obligé d'en arriver là, mais certains d'entre vous seront, le feront. Il y a l'idée d'expliquer aux inférieurs, donc ceux qui en foutent pas une, et ceux aussi, pas forcément qui en foutent pas une, mais bah, qui ont besoin de vous, quoi, en gros, de se dépêcher, quoi, un petit peu. Bon. Bon, c'est un petit peu neutre comme conseil. Roi de coupe. Bon, ok. On va lire le quatrième. Je vous dis, c'est un petit peu spécial votre tirage parce que comme on a quatre conseils, je suis obligée d'y aller au pas à pas là. Si vraiment tu as un cœur bon, ne questionne pas, suprême fortune. En vérité, le bien sera reconnu comme ta vertu. Il y a quand même comme idée qu'avec le 5 de Pentacle, on s'énerve parce que les gens qui font pas ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient promis, nous empêchent d'honorer nos propres promesses. C'est chiant, hein. Veillez dans le prochain cycle à ne plus, on a ça aussi chez les béliers, à ne plus vous enticher de gens comme ça, s'il vous plaît, quoi. Comment elle s'énerve? Le bien véritable ne compte pas et ne questionne pas sur le mérite et la reconnaissance, mais il agit en suivant une nécessité intérieure. Un tel cœur, vraiment bon, se trouve récompensé en ce qu'il est reconnu. Et ainsi, allô? Oui. Bonjour. Oui. Ouais. C'est Paul ou Denis. Voilà, Zulma, c'est mon deuxième prénom. Voilà. Non, je vous l'avais dit, mais en même temps, c'était un. Ben non, et puis avec le monde, le bruit qu'il y avait, c'est pas forcément évident de retenir les infos, hein. À Nîmes, dans le Gard. Éventuellement ma propriétaire, même si elle n'est pas là, parce qu'elle pourrait prévenir d'autres gens. Je vous cherche son numéro de téléphone, hein. C'est Françoise Bioré. Alors, BI2LORAY. ORAY. Je vais vous donner son numéro de téléphone. 06 81 78 98 67. C'est ça. Oui.
D'accord. Oui. Oui, bah ils sont ouverts que le matin, donc ce sera demain. Pour signer, voilà. Oui. Non, non, pas du tout. D'accord, très bien. Parce que c'est vers là que enfin, j'ignorais totalement en y allant hier qu'on me proposerait une formation, mais depuis le départ de la signature, j'envisage de libérer du temps pour m'occuper des gens. Donc, maintenant, si j'ai une formation diplômante, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Oui, bah normalement vendredi prochain, je vais pas ce vendredi là, je vais pas avoir le temps, mais vendredi d'après, je vais sur place pour faire les tests. Et puis ensuite, apparemment, elle m'a expliqué que ça irait très vite. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez me rappeler votre nom de famille? Très bien. J'enregistre votre numéro, je vous rappelle pour vous dire, pour vous confirmer que tout va bien. Voilà. Merci à vous. Au revoir. À vous aussi, au revoir. Hop. Bon, je suis pas désolée, mais là, j'étais obligée de répondre, en fait. C'est parce qu'on m'offre une formation pour m'occuper des personnes, et du coup, ça me vraiment. Enfin, voilà, je ne pouvais pas ne pas répondre. Normalement, je devais recevoir un mail, j'avais pas prévu de recevoir un appel. Bref. Donc, nous en étions. Et comme je ne fais pas de montage, le problème, c'est que si j'avais arrêté la vidéo, c'était finish, quoi. J'allais pas faire de vidéo de suite, quoi. Bon, bref. Donc, c'est très bien parce que après ce 5 de pentacle, vous vous énervez, ou alors vous alarmez un petit peu de la mauvaise situation, de l'agencement des gens, quoi. Intérieurement roi de coupe, hein, ça correspond exactement assez bien. Carrément, si vraiment tu as un cœur bon, ne questionne pas. C'est comme si finalement vous vous disiez, mince, il y en a qui m'ont. Je ne peux pas honorer certaines promesses à cause d'autres qui n'ont pas honoré les leurs. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter pour si peu, quoi. Parce qu'en plus, on a la tour. Hein, d'accord? Donc, les choses sont tellement en train de changer, il faut arrêter de vous alarmer pour des broutilles, là on est en train de vous dire. On va reconnaître votre bonne influence, en tout cas dans la situation précise qui vous occupe. Là on est quand même sur la fin de décembre. Ne vous alarmez pas, c'est le message. La justice à l'envers, intérieurement, qui vous emmène vers la reine de baguette. Ben, je pense que là, renaissance, hein. Les choses se transforment, enfin, se modifient, vous en êtes à l'initiative, ou en tout cas, cette tour, c'est quand même, allez, adieu. La tour, c'est les rats quittent le navire, quoi.
Je pense que là, hein, ceux qui vous ont fait un petit peu la misère, ceux qui vous ont mis un petit peu des bâtons dans les roues, ceux qui vous ont retardé, ils sont plus là. Hein. Et ceux qui tiennent vraiment à vous, ceux qui comprennent là où vous allez, ceux qui ont envie d'aller là où vous allez avec vous, ceux qui vous soutiennent, ils vont pas vous en vouloir de ce dont on a parlé avant. Justice à l'envers, bon, c'est un peu vite dire renaissance, mais avec la tour, c'est tellement ça, quoi. Vous êtes neuf, vous êtes neuf. Parce que vous tenez, on sent intérieurement, vous êtes le roi de coupe, et après la justice à l'envers. On sent autour que vous voulez faire que c'est le bon que vous souhaitez, quoi. Il y a ceux qui s'en foutent, il y a ceux qui en abusent, et il y a ceux qui le remarquent, quoi. Voilà, et ceux qui le remarqueront, c'est avec eux que vous faites le nouveau pas. Et vous finissez en reine de baguette, reine de bâton. Ouais, ben vous avez le mojo à la fin du mois, les gars, et les garces. Avant l'accomplissement, succès. Mais si le petit renard, lorsqu'il a presque achevé le passage, met la queue dans l'eau, il n'est rien qui soit avantageux. Donc c'est ça, c'est non. Si elle a la tête à l'envers, c'est que elle a. Il y a vraiment une décision. On demande de ne pas retourner en arrière, s'il vous plaît. Pas retourner en arrière, pas retomber dans cette habitude de trop vous donner. Ainsi, l'homme noble. Et circonspect quand ils distinguent les choses, afin que chacune trouve leur place. D'où le silence. Vous prenez le temps de tout réagencer. C'est pourquoi vient ensuite, mais ça demande beaucoup d'énergie et vous en aurez à la fin du mois. Avant l'accomplissement et l'épuisement du masculin. Mais si le petit renard, lorsqu'il a presque achevé le passage, met la queue dans l'eau, il n'est rien qui soit avantageux. Le petit renard a presque achevé le passage. Il n'a pas encore dépassé le milieu. Il met la queue dans l'eau. Il met la queue dans l'eau. Il n'est rien qui soit avantageux. Parce que l'affaire ne se poursuit pas jusqu'à la fin. Si quelqu'un reste immobile au début, les troubles s'élèvent parce que la voie parvient à sa fin. Et là, vous allez parvenir, je pense, à entrer dans le nouveau cycle. Donc, on répète, on ne reste pas immobile. Parce que quand on est immobile, malheureusement, on est tenté de regarder en arrière. Donc on continue tout le temps d'avancer, mais pas trop vite parce qu'on reste circonspect. On va pas trop vite pour réagencer, mais on ne s'arrête pas. Voilà. Bah maintenant, vous saurez comment je parle aux gens au téléphone. Non, mais c'est vrai. Alors, d'ailleurs, il faut que j'envoie son numéro. Vous savez, vous connaissez le numéro de ma propriétaire. Vis ma vie. Francisca, bon, allez, on arrête ce tirage qui est vraiment beau, hein, franchement. Elvis Presley. You are the king. You are the king. Never let reality stand in your way. Ne laisse jamais la réalité te faire attendre sur le chemin. Hein. La réalité. Always keep heaven on speed dial. Laisse toujours le paradis en numérotation rapide. Ouais, comme ça, tu peux vite l'appeler. Ok, j'ai compris le message. Je l'avais pas compris la dernière fois que j'ai tiré cette carte. Comme quoi, merci. C'est grâce à vous, les Gémeaux. Bon, eh bien, je vous dis armoire, à bientôt.